Retrouve pour la présentation d'un livre, un livre que j'ai reçu des éditions Secrets d'Étoiles. Euh, parce que je pense pas que je vous l'avais déjà dit ici, mais j'étais sélectionnée euh, avec plusieurs autres personnes euh, sur Instagram pour faire partie euh, des ambassadrices Secrets d'Étoiles. Donc chaque mois, je recevrai euh, plusieurs ouvrages que je peux choisir du coup dans, dans les sorties. Hein. Et, euh, et comme ça, bah, j'aurai encore plein de chouettes livres à vous présenter. Et bah, celui-ci fait partie de ma première sélection. Donc, il s'agit du livre Ostara, la grande fête du printemps. Célébrer votre premier sabbat de Sorcière Box. Euh, sorcière Box qui a également un Instagram euh, où elle vous propose euh, des boxes, euh, la, la box. Des, je crois que ça s'appelle la box sorcière. Bah oui, comme son nom en fait. Où elle vous fait euh, des box. Euh, pour fêter les, les différents sabbats, euh, avec en fait tout ce qu'il faut dedans pour le célébrer. Elle fait aussi une boxe pour les sorcières débutantes, pour débuter, si j'ai bien vu. Enfin voilà, elle propose plein de chouettes choses et j'ai lu ce livre et euh, franchement, je l'ai beaucoup aimé. Euh, on va le parcourir ensemble, évidemment. Donc, Ostara, hein, qui, qui fait euh, euh, référence au sabbat euh, du printemps, euh, ça peut aussi être. Euh, Pâques aussi, hein, on, on l'associe souvent à Pâques, euh, mais au solstice de printemps. Et je suis trop contente parce qu'elle a écrit euh, Sorcière Box, Sidonie de son vrai nom, euh, qu'elle allait, elle avait été, enfin on lui avait demandé d'en écrire un pour les sabbats donc on en aura un, enfin euh, on en aura un pour les sabbats euh, de la roue de l'année, la roue de l'année païenne, hein, voilà, qui a été écrit par euh, Garner. Euh, et bon, le premier qu'elle qu fait paraître, c'est celui-ci. Déjà, moi, j'aime beaucoup la couverture euh, qui est comme ça, euh, bah, printanière, hein, comme euh, évidemment, c'est le sabbat euh, qui correspond au printemps. Bah, c'est printanier, on retrouve les petits œufs, les petits lapins, euh, les fleurs, évidemment. C'est le moment où la nature se réveille, où les animaux commencent à sortir d'hibernation. Et euh, j'ai beaucoup aimé la préface aussi, l'introduction de ce livre où elle nous explique que... Euh, ben dans les générations précédentes, bien, il y a bien longtemps, hein, c'était un sabbat très important euh, parce qu'on sortait justement de l'hiver et à l'époque où les gens euh, ben, vivaient de leur culture, euh, etc., euh, ne vivaient que de ça. Si, si l'hiver, euh, par exemple, tout ils n'avaient pas su assez mettre de, de récolte de côté, ben, c'était déjà une énorme victoire d'arriver à passer l'hiver et de voir la nature euh, ben, justement qui se réveille et de voir ces plantations euh, pousser c'est vrai que ça maintenant ça se perd totalement parce qu'on va au supermarché du coin acheter ce qu'on a besoin mais à l'époque ils vivaient vraiment euh, de leur récolte ils étaient vraiment proches de la nature et ils en fin, ils dépendaient totalement de, de ce que la nature voulait bien leur donner donc ils étaient beaucoup plus proches euh, évidemment euh, des célébrations et ça avait peut-être plus d'importance pour eux, à l'époque, ça en a pour beaucoup d'entre nous euh, à l'heure actuelle, vu qu'il suffit d'aller au, au supermarché et on, on, on achète bah, souvent même trop. Euh, voilà. Bah, ça c'est le petit aparté. Alors, on va lire ensemble ce qui est écrit au dos. Donc, ce qu'on va, ce qu'elle va reprendre dedans, c'est qu'est-ce que la sorcellerie, que sont les Sabbats et la roue de l'année, qu'est-ce que c'est Ostara, la grande fête du printemps et du réveil de la nature, comment bien la célébrer. Autant de questions que vous pouvez vous poser lorsque vous débutez dans la pratique de la magie et la célébration des sabbats. Rituels, sorts, recettes de magie des fourneaux, tirage, dans cet ouvrage, l'autrice vous livre toutes les clés pour comprendre la fête d'Ostara et tout ce que vous pouvez mettre en place à votre rythme et en conscience. Pour un premier sabbat réussi. Fêtez votre premier sabbat d'Ostara. En plus, il a un petit prix 10,95 euros. Vous le trouvez partout Fnac, Amazon, euh, certainement dans les librairies Cultura, etc. C'est un livre qui est euh, aussi voué. Euh, pour, euh, bah pour les débutants, hein, pour leur apprendre à fêter les sabbats, ce pas toujours évident quand on débute. Et bah, c'est chouette d'avoir des ouvrages qui vous guident pas à pas. Elle explique aussi que pour les, les plus aguerris, qui, qui fêtent déjà, qui ont plus de connaissances, ça peut aussi être euh, un livre qui peut revoir les bases. Voilà. Bon, moi, ce que j'adore dans ce livre, bah, c'est qu'il est en couleur. Et euh, je vais vous avouer que je l'ai reçu et j'ai sauté dedans. Euh, euh, c'est un livre qui se lit facilement aussi, mais j'ai sauté dedans parce que je ne sais pas, il, a, il donne envie de le lire. Voilà. Ça change tout la couleur, les illustrations, euh, etc. Ici, euh, on retrouve bah, dans, cette, dans cet ouvrage est ce que je viens de vous lire euh, au fond. Hein. Et bah, du coup, on va regarder tout ça de plus près. On a un sommaire avec un avant de commencer. Et du coup, qu'est-ce que c'est la sorcellerie bah, Qu'est-ce que c'est une sorcière Donc, ça, c'est vraiment. Euh, elle va vous expliquer ce que c'est un sabbat. C'est vraiment la partie avant que je vous dis que j'ai trouvé très intéressante et je rejoins assez euh, bah, sa façon euh, bah, de, de penser qu'il ne faut pas forcer, il faut suivre son intuition, euh, faire ce qui est bon pour nous, il ne faut, euh, faut pas écouter euh, bah, les, ceux qui vous disent que votre méthode n'est pas bonne, qu'il n'y a que la leur qui compte, qui est bonne, etc., qui est valable, euh, que si vous, vous pensez que c'est bon pour vous, il bah, n'y a pas de raison que ça ne le soit pas. Enfin, voilà, un petit peu en gros. Euh, un Petit résumé, donc après on passe à célébrer Ostara. Là, elle va évidemment vous expliquer ben, euh, d'abord les origines de cette fête, les pratiques magiques pour débuter, les rituels. Ensuite, on a ensuite des recettes et des tirages de cartes. C'est chouette aussi. Et des annexes, donc, vous voyez, il est il y a de super euh, illustrations. Ici, on a un avant-propos à qui euh, s'adresse. Je vais y arriver. Ce livre, voilà à celles et ceux qui n'ont jamais fêté un seul sabbat de leur vie, ou presque, ou qui n'ont jamais vraiment pratiqué la sorcellerie. Voilà. Donc ici, une petite présentation euh, sur elle, ses valeurs et ses objectifs. Et puis ici, on a un avant de commencer. Et ici, elle va vous expliquer ben, qu'est-ce que la sorcellerie, qu'est-ce que c'est être une sorcière. Voilà. Elle vous explique un coup de pouce dans le quotidien. Et alors, on a à chaque fois des petits... Euh, des petites alcôves comme ça où il est marqué important avec des petites choses importantes à relire qui n'y a pas de pratique meilleure qu'une autre que la sorcellerie ça s'apprend euh, le terme de sorcière d'où ça vient c'est vrai que le sorcière à une époque euh, on était directement euh, sur le bûcher euh, souvent c'était même une excuse hein pour accuser euh, par exemple une voisine euh, pour laquelle on était jalouse, un homme euh, qui a une femme euh, qui avait refusé ses avances, et il ne fallait pas grand-chose pour mettre le feu aux poudres, pour passer pour sorcière, et euh, malheureusement finir sur le bûcher. Alors ici, qu'est-ce qu'un sabbat bah, Ici, une petite histoire euh, du sabbat. Hein. Elle vous explique d'où ça vient. Euh, elle vous explique aussi d'où vient euh, la roue de l'année qui a été créée par Gérald Garner. Festivités et magie. Je le trouve vraiment, vraiment très chouette. Pourquoi on célèbre les sabbats Et puis elle nous explique bah, les huit sabbats. Ici, vous retrouvez une très jolie roue de l'année. Hein et euh, du coup, Ostara se trouve ici. Voilà. Bon, en, entre, en général, il se fête le 20 ou le 21 mars. Ça dépend évidemment euh, bah, de, la, des positions planétaires et tout ça. Donc ici, elle vous, elle vous parle des 8 oui sabbats. Ici un petit mot sur les équinoxes et les solstices. Ici elle vous explique les solstices euh, par rapport euh, à la position du soleil où on se trouve. je hein. trouve ça très bien expliqué d'ailleurs. Et un petit mot sur les équinoxes. Alors les dates sont-elles importantes Là elle explique et moi je pense aussi que euh, les énergies des sabbats peuvent être, enfin euh, peuvent perdurer, enfin être plusieurs, enfin quelques semaines ou quelques jours avant, quelques semaines ou jours après je pense aussi que c'est à vous de le sentir sincèrement euh, de suivre votre intuition et elle vous explique aussi que vous pouvez demander à google euh, l'heure exacte. voilà. alors, ici, on passe à célébrer ostara. avec le sabbat d'ostara, euh, les origines, euh, d'où ça vient, euh, le symbole de la renaissance, mais bon, aussi elle explique. Hein, euh, un peu ce que je vous ai dit avec les agriculteurs, euh, les, bah, les, les gens euh, qui vivaient vraiment de, de leur récolte euh, avant. Et il y a un petit mot sur la déesse Eostre du printemps. Les sites sacrés, un petit mot sur Pâques, évidemment. jeu au, Ostara au aujourd'hui. Elle parle aussi de l'Egrégore euh, d'Ostara. Planter les graines de nos projets. Le calendrier euh, personnel. Là, elle vous explique que, que ça peut être important d'avoir un calendrier personnel. Ensuite, on passe aux pratiques magiques pour célébrer Ostara. Voilà, elle dit hein, c'est l'alliance de deux choses, la sorcellerie, la théorie et la pratique. Euh, Débuter la sorcellerie, laissez-vous guider par votre intuition. Je dis que c'est très important, moi. Voilà. Allez vers la pratique. Ici, elle vous explique comment. Euh, ben, euh, par exemple, d'aller dans un magasin euh, d'esotérines, c'est vrai qu'on en trouve de plus en plus, si, par, si vous n'y connaissez rien, et de vous laisser guider euh, par votre intuition, par ce qui vous attire. Ça peut être un tarot, ça peut être un orax, ça peut être un pendule, ça peut être une pierre, ça peut être plein de choses. De laisser vraiment votre intuition euh, parler et de vous laisser guider euh, vers ce qui vous attire. Du coup, ici, elle prend l'exemple du pendule. Elle dit d'y aller à son rythme d'apprendre par les erreurs, parce que c'est vrai que si on ne fait pas d'erreurs, si on, on ne pratique pas qu'on ne fait pas d'erreurs, ben on n'apprend rien. C'est en faisant des erreurs qu'on on, on progresse, parce qu'on note, on, on note pourquoi, ce qu'on a fait comme erreur. On recommence et finalement quand ça marche, ben voilà. Donc si on a les préparatifs, quand commencer Ici elle parle de l'hôtel, euh, la décoration de son hôtel. Voilà, ici, euh, vos intentions pour Ostara. Et évidemment, des œufs. Hein. Bon, ici, ce sont des vrais œufs, ce ne sont pas des œufs en chocolat. Avant chaque rituel. Et là, elle vous donne vraiment les conseils hein, avant, après. Ici, c'est trouvé ça très chouette aussi. Hein, une page avec les correspondances, avec les couleurs, les animaux, les plantes, les divinités, les pierres, mots-clés et concepts. Avec une page d'une couleur différente. Et ensuite on passe à la partie des rituels avec l'huile de boost d'énergie. Bon, ici je vous explique hein, euh, ce qu'il vous faudra, quelques explications et puis le rituel. Voilà. Et c'est tout simple, c'est bien expliqué. Et c'est chouette pour commencer. Un sachet magique du troisième œil. Un sortilège pour rompre un lien. Rituel de manifestation. Puis on passe au à la partie des recettes, voilà la magie des fourneaux. Ici, on retrouve bah, quelques aussi, euh, par exemple là, et vous pourrez l'utiliser pour la protection et la guérison. Euh, quelques épices et fleurs et vertus. Alors, on a les œufs mimosa. Moi, j'adore les œufs mimosa. C'est un truc que j'adore. Et ici, elle nous, euh, par exemple, elle nous dit de rajouter quelques éclats de noix pour la euh, fertilité. Alors on a infusion glacée, un cake au citron, Ce sont des choses pas trop dures à réaliser. Et ensuite, ben, pour les fans, les amoureux de cartes, on a euh, des tirages proposés. Un premier tirage, un tirage de la Renaissance, du printemps, de l'abondance. Il y en a plusieurs de proposés. Et puis on arrive à la partie euh, des annexes avec une foire aux questions. Ça c'est chouette aussi. Par exemple, est-ce que c'est grave s'il nous manque un ou plusieurs ingrédients Est-ce que c'est ce gra -ce est grave si je ne pratique pas souvent Un petit mot de la fin de la... De le, je vais y arriver. Euh, la créatrice du livre, Sidonie. Voilà. Voilà, voilà. Et ici, un petit mot aussi. Euh, et euh, son fameux Instagram, Fox. Franchement, moi, je le trouve très chouette. C'est un livre qui fait... Euh, 80 pages, mais il est hyper agréable à lire. Il est bien expliqué. Euh, C'est un livre qui ne va pas vous faire culpabiliser. Elle va pas vous dire ah oh, si tu pratiques pas n'est pas bien. Euh, elle va vraiment déculpabiliser. Euh. Et je trouve que pour débuter, il est vraiment très très chouette. En plus, il est en couleur. Elle le dit aussi hein, euh, qu'elle sait qu'il existe déjà une collection sur les oui sabbats euh, ailleurs et que bah, justement, euh, elle a mis euh, en sorte euh, que ce ne soit pas une pâle copie et de, de, faire, de mettre des choses justement euh, qui peuvent apporter un plus euh, et se démarquer aussi. Mais je l'ai trouvé, je ne sais pas, j'aime bien parce qu'il est en couleur, euh, les illustrations, euh, bah, ça réveille l'idée du printemps justement, euh, les rituels sont simples, les recettes aussi, euh, et ce n'est pas des, des énormes rituels écrits sur 4-5 pages. Euh, et pour débuter, c'est bien parce que bah, ça donne envie, tout simplement. Moi, je l'aime vraiment beaucoup. Et euh, j'ai hâte de voir les sept euh, suivants sur les sept autres sabbats. C'est sûr qu'ils viendront rejoindre euh, celui-ci. Voilà, mais du coup, dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de ce livre. Si vous aussi, vous le trouvez très chouette. Euh, vous le trouvez partout à hein, Amazon FNAC. Je ne sais plus si je l'ai dit maintenant. Euh, je, je, je me répète peut-être, mais voilà. Euh, en tout cas, euh, j'aime vraiment beaucoup. Euh, Dites-moi aussi pourquoi pas si vous fêtez euh, les sabbats, si vous aimez euh, celui d'Ostara du printemps. Euh, moi j'aime beaucoup hein, quand on voit tout qui commence, les oiseaux qui commencent à, à chanter le matin, à faire leur nid, les bourgeons, les petites fleurs qui, qui éclosent, les narcisses, les qui Enfin, euh, on voit tout ça et on se dit waouh, ouais, l'été va bientôt arriver. Euh, on va laisser euh, surtout aussi la luminosité euh, quand on gagne en luminosité. Enfin voilà, vous aurez compris, j'aime bien aussi. Voilà, ben en tout cas, ce livre, je vous le conseille à 100% euh, si vous voulez commencer par exemple le, à fêter les sabbats. Je vous fais plein de gros bisous et on se dit à très vite pour de prochaines vidéos. Bisous, bisous.